بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mes frères et sœurs. Alors j'aimerais développer certains points que j'ai soulevés lors de l'audio précédente. Je voudrais déjà faire une petite remarque. Bien sûr, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais bon, je lis tous vos commentaires et je constate que certaines personnes ne réfléchissent pas, malheureusement. Mais je vois quand même, alhamdoulilah, aussi des gens sensés qui raisonnent et qui réfléchissent. Alors pourquoi je dis qu'ils raisonnent ? On a tous une raison. Il faut savoir que Allah Ta'ala a créé l'être humain avec une raison. Et ce qui différencie l'être humain de l'animal, c'est la raison. Alors comme je l'ai dit dans une précédente audio, la croyance musulmane est basée sur la logique. Elle est certes aussi basée sur les écrits du Qur'an, des hadiths, et aussi sur les paroles des savants, et notamment ceux du salaf. Donc c'est assez hallucinant, vous pouvez voir les propos haineux à mon égard. Bon, bien sûr, j'y prête pas du tout attention, mais bon, c'est simplement pour que vous constatiez. Vous voyez bien, j'ai bloqué personne, j'ai censuré personne. Alors à vous d'en juger. Alors on voit des expressions telles que main, visage, pied. Bon, vous savez à qui ils attribuent ça. C'est pas d'un être humain qu'ils veulent parler, bien entendu. Ils veulent parler d'Allah en lui attribuant des membres. Alors vous avez la preuve que ces gens veulent absolument assimiler Allah à la créature. Ils disent Allah a des mains. Alors il faut savoir, ils disent que Allah a deux mains droites. Donc ils disent qu'il y a une divergence. Ils disent que certains savants disent que Allah a deux mains droites. Et d'autres qui disent que Allah a une main droite, une main gauche. Donc il faut savoir que ces gens attribuent à Allah la droite, la gauche, le haut et le bas. Donc ils disent que Allah est localisé. Voilà, ils disent qu'il est concerné par les six directions. Ils disent que Allah a des mains mais pas comme nous. Ils disent que Allah s'assoit pas comme nous. D'ailleurs, constatez par vous-même que ces gens n'argumentent que par des versets équivoques. Donc lisez le verset que j'ai mis au-dessus et méditez un peu dessus, Inch'Allah. Donc ces gens, en fait, ils sont concernés par le verset qui dit ce qui signifie « Accepteriez-vous une partie du livre et rejeteriez-vous-en une autre ?» Ils prennent que les versets équivoques, ces gens-là. Ils savent faire que ça. Excusez-moi. Donc je vais faire clair, en rentrant dans quelques détails. Alors, d'abord par rapport au verset « Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa ». Donc je vais rentrer dans quelques détails. Alors je vous ai expliqué les différents sens de ce mot dans la langue arabe. Donc on a dit que « istawa » veut dire pour un enfant qu'il a atteint une certaine maturité, pour une chose courbée qu'elle se redresse, pour la nourriture qu'elle cuit à point. Il a aussi le sens de se lever, le soleil se lève. Et il a aussi le sens de s'asseoir. Alors ces gens nous disent qu'il ne faut pas interpréter les versets équivoques. Ils disent d'ailleurs qu'ils sont clairs. Ils disent que ces versets équivoques sont clairs. En tout cas, c'est ce que je lis dans les commentaires. Vous pouvez vérifier, vous savez lire comme moi. Et ces gens nous disent, istawa veut dire jalasa, al-julus. Donc, al-jalasa qui veut dire, enfin, al-julus qui veut dire s'asseoir. Alors, ils disent, istawa veut dire s'asseoir. Mais istawa, il faut savoir quand même qu'il a plusieurs sens. Je viens de le dire. Mais al-julus, il n'a qu'un seul sens. Alors j'ai une question à vous poser, les pseudo-salafis. Parce que, en fait, je vous pose des questions, mais vous ne savez répondre que par des calomnies, par la haine et les insultes. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Vous êtes incapable d'argumenter par des preuves.
Alors, la première question, j'aimerais savoir, est-ce que vous admettez que la langue arabe est riche? Voilà, je veux savoir ça. Et que le mot istawa a plusieurs sens. Est-ce que vous admettez cela? Parce que nous, les sunnites, on interprète ce verset en disant que Allah a dominé le trône. Le mot istawa, il a le sens de dominer. Faut savoir que le arche, c'est la plus grande créature au niveau masse, au niveau volume. Donc si Allah domine l'arche, qui est la plus grande des créatures, automatiquement, il domine toute créature plus petite que l'arche. Alors, vous par contre, hein, vous ne dites pas ça, hein, vous dites que Allah istawa ala l'arche, qui veut dire qu'il est assis sur le trône? Alors, j'ai une autre question à vous poser, les pseudo-salafis. Vous dites que le mot istawa veut dire s'asseoir. Est-ce que vous considérez ça comme une interprétation? Parce que vous dites vous-même qu'il ne faut pas interpréter. Mais vous interprétez. Car vous dites que istawa veut dire s'asseoir. Alors, il faudrait qu'on m'explique, quand même. Si quelqu'un me dit istawa veut dire, hein, veut dire s'asseoir, c'est qu'il est en train d'interpréter le mot istawa en lui donnant un des sens, hein, qui est s'asseoir. Alors, si encore vous faisiez comme les gens du salaf de l'époque, hein, en disant que Allah istawa, sans comment et on s'arrête là. Bon, là, on est d'accord. On serait d'accord avec vous à 100%. Il n'y a pas de problème. Mais au lieu de ça, vous interprétez le mot istawa par s'asseoir. Et c'est une interprétation erronée, hein, qu'on ne peut pas attribuer à Allah Ta'ala. Et cette interprétation contredit le verset de base qui dit Laïsa kamithihi shay, hein, qui signifie rien ne lui ressemble. Parce qu'il faut savoir, hein, il faut savoir que les versets clairs expliquent les versets équivoques. Hein. Les versets clairs, hein, se complètent, les versets entre eux se complètent. Et s'explique entre eux. Alors, les versets, hein, versets clairs et versets équivoques, hein, ne se contredisent pas les uns les autres. Les versets clairs expliquent les versets équivoques. Alors, j'ai encore une autre question à vous poser, vous, pseudo-salafis. Quelle interprétation démontre la puissance de Allah et l'exemption de Allah de toute imperfection? Bassesse, faiblesse ou besoin. Est-ce que c'est le fait de dire que Allah s'est assis sur le trône? Ou est-ce que c'est le fait de dire qu'il a dominé le trône? Alors bien entendu, vous ne saurez pas répondre, parce que vous et la logique, ça fait deux. Mais bon, j'ai quand même une autre chose à dire, hein, parce que bon, j'ai ces façons que vous ne répondrez pas. Concernant le grand savant Salafi Al-Bukhari, j'en ai déjà parlé lors de la dernière audio, qui a interprété le verset de Sourate Al-Qasas, ce verset qui dit Kullu shay'in halikun illa wajha. Alors, vous interprétez le mot wajh par visage. Par contre, Al-Bukhari, il l'a interprété par sa souveraineté. Il a dit wajha, qui signifie mulka. Mulka, donc c'est quoi? La souveraineté. Donc, ce verset, hein, signifie que toute chose sera anéantie sauf sa souveraineté. Alors, si on le prend au sens apparent, c'est-à-dire le sens le plus connu des gens, hein, car le sens du mot wajh, le plus connu des gens, c'est visage. Parce que maintenant les gens se sont affaiblis en langue arabe. Les gens du Salaf étaient très forts en langue arabe. Ils savaient que le mot wajh il avait plusieurs sens. Donc si on le prend au sens apparent, ça voudrait dire que toute chose va s'anéantir sauf le visage de Allah. Et comme vous dites
Comme vous dites qu'il a des membres, donc d'après vous, hein, si on prend ce verset au sens apparent, ça voudrait dire que, ah, subhanallah, ça voudrait dire que ses pieds vont s'anéantir, ses mains vont s'anéantir, ses pieds vont s'anéantir. Ah, ça tient pas debout. Voilà, ça ne tient pas debout. Donc, Al-Bukhari, hein, je vais vous dire une chose, hein, Al-Bukhari, il est innocent de ce que vous dites. Al-Bukhari, il n'a jamais dit le visage. Donc, si on prend ce verset équivoque au sens apparent, ça voudrait dire qu'il ne restera plus que son visage. Puisqu'il faut prendre les versets au sens apparent, comme vous le dites, ben, ça veut dire ça. Et que ses mains vont s'anéantir, ses pieds, la terre, les cieux, enfin tout, quoi. Une autre chose, il y a un verset équivoque qui dit: L'Orient et l'Occident appartiennent à Allah. Quelle que soit la direction vers laquelle vous vous tournez, le wajh de Allah est là. Donc, Al-Bayhaqi, dans son livre Al-Asma' wa Sifat, rapporte que Mujahid, l'élève, alors là, tenez-vous bien, l'élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que wajh, dans ce verset, veut dire la qibla de Allah, c'est-à-dire la direction de la prière. Donc, ce hadith, on l'expliquera dans une autre audio, hein, j'ai pas le temps. Donc, il n'a pas dit visage. Hein. Il n'a pas dit visage. Donc, c'est quand même l'élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Le prophète a fait une doua pour Ibn Abbas en demandant à Allah de lui enseigner l'interprétation des versets. Vous vous dites qu'il ne faut pas interpréter. Hein. On a quand même vu que vous interprétez par s'asseoir, hein, concernant l'istiwa. Donc là, vous voyez bien que ces gens sont loin des compagnons, loin du prophète et loin des savants du salaf. Alors, j'ai dit lors de l'audio précédente que Ibn Taymiyyah était leur plus ancienne référence. Alors qu'il est venu au 8e siècle de l'Égypte, hein, donc ça fait pas partie des 3 premiers siècles, à ce que je sache. J'ai dit que c'était le premier à avoir innové cette mauvaise croyance, hein, qui a été reprise, hein, par Muhammad ibn Abd al-Wahhab il y a environ 250 ans. Et c'est Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui a fondé cette secte, hein, qu'on appelle les Wahhabites. Donc il s'est inspiré, hein, de la croyance, hein, de cette croyance anthropomorphiste, hein, de Ibn Taymiyyah. D'accord? Bon, je voulais faire cette petite précision parce que bon, il y a un pseudo-salafi qui avait du mal à comprendre. Je sais pas, je crois que c'est leur porte-parole, hein, sur Dailymotion. Bah, c'est bizarre, hein, ouais, je sais pas, il faut leur faire des schémas, il faut leur faire des dessins, je sais pas. Ils aiment bien imager, ces gens-là, ils aiment bien. Hein, ils ont du mal à comprendre les choses, j'ai remarqué, subhanallah, ils ont vraiment du mal. Donc voilà, hein, donc je t'explique, hein, c'est ça en fait. Hein. Voilà, c'est Ibn Taymiyyah en fait, le premier qui a innové cette mauvaise croyance et qui a été reprise il y a 250 ans par Mohammed Ibn Abdul Wahhab. C'est simple. Voilà mon petit. Donc, après, Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il faut savoir qu'il a été quand même encouragé et motivé par les services secrets anglais. Hein, ça, il faut le savoir. Appelé MFR, donc je vous invite à faire des recherches. Et il s'est lié à la famille As-Saoud, famille As-Saoud qui descend des Juifs arabes. Donc je ferai aussi une audio donc les concernant. Donc je vous invite, hein, à aller vérifier tout ça. Il faut savoir quand même à l'époque du prophète, d'ailleurs, il y avait aussi des Juifs arabes. Donc, ouais, tout ça, bon, ça va vous glacer le dos, hein, quand vous allez lire l'histoire du wahhabisme et l'histoire de Ibn Taymiyyah, hein, qui est apparu au 8e siècle. C'est assez hallucinant quand même. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les pseudo-salafis, hein, nous, on n'est pas responsable des bases américaines installées autour des lieux saints. Hein, on n'est ni responsable des casinos installés dans toute l'Europe. C'est pas nous qui allons gaspiller des dollars aux Champs-Élysées avec une bouteille de champagne
accompagné d'une poupée gonflable. Hein? En fait, tout ce qui est néfaste pour la communauté musulmane, c'est vous, c'est pas nous. Alors je vais vous demander une chose à vous tous, hein? C'est pas trop vous demander. Barakallahu fikum, servez-vous de votre raison. Allahi barak fikum. Hein? Vous n'êtes pas des moutons. Hein? Donc je vais donner pas mal de références. Je vous invite à aller les vérifier. Donc je donnerai tout, 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 tout. Hein? Les titres, les auteurs, les pages, j'ai une bibliothèque à la maison. Donc je vais tout vous donner, hein? Leurs références à eux. Les références, inshallah, des savants, salafs, véridiques. Et vous verrez par vous-même. Par contre, j'ai un petit message à faire passer aux libre-penseurs. Hein, parce que bon, tu as quand même mis le doigt sur ces gens-là. Hein, donc si tu m'écoutes, hein, je voudrais te dire une chose. Donc qu'on nous trompe sur les vaccins qu'on prend. Hein, parce que bon, j'écoute tout ce que tu dis, c'est quand même assez intéressant. Hein, donc franchement, je t'encourage à continuer ton travail. Hein, je pense que tu es... vraiment, on a besoin de gens comme toi qui nous informent sur ce qui se passe dans le monde. Alors qu'on nous trompe sur les médicaments, qu'on nous trompe sur, je sais pas moi, sur la bouffe qu'on nous donne, on mange des choses assez, enfin, des choses assez bourrées de poison, bourrées de choses néfastes pour la santé. C'est bien, tu fais des recherches. Tu as choisi de prendre ce créneau. Moi, j'ai choisi de défendre la croyance du musulman. Qu'on nous trompe sur notre argent, hein, mais qu'on nous trompe pas sur notre religion, quand même. Qu'on nous trompe pas sur notre religion. Hein, il y a eu 124 000 prophètes qui sont venus avec une croyance. Nous, on veut la préserver, cette croyance. Voilà. Nous, on veut la préserver. Donc, je t'invite à faire des recherches, hein, sur ce que j'ai dit par rapport au pseudo-salafi. Donc je pense que tu sais faire, je pense que tu dois t'intéresser à ce sujet, hein. Je pense que tu t'intéresses à beaucoup de choses, et moi aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je t'écoute. Et puis, ben, mes frères et sœurs, hein, ben, réveillez-vous, hein. Voilà, réveillez-vous, soyez très attentifs, lisez bien tous les commentaires, hein. Donc vous pouvez constater le satanisme ambiant, hein, de ces gens, hein, des insultes, c'est presque des menaces. Enfin bref. Bref. Vous perdez votre temps, les pseudo-salafis. Voilà, vous vous enfoncez plutôt qu'autre chose. Alors moi, je pensais qu'on allait élever le débat, mais bon, je constate que ça vole très très bas. Très très bas. Voilà. Ben, salam alaikum à tous. Hein. Puis ben, libre penseur, ben, pense à ce que je t'ai dit. Hein. Puis bon courage. Bon courage à toi. Je t'encourage. Aïe wa barakallahu fikum. Et à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.